Le 28 novembre 2022, la journaliste sportive Laurie Del Hostal annonçait, via les réseaux sociaux, être atteinte d'un cancer. Depuis, l'ancienne présentatrice de Canal+ partage régulièrement des photos de son quotidien. Le 24 février 2023, elle a posté une photo à l'hôpital, le jour de son anniversaire. Il y a un mois tout juste on m'a dit, vous avez un cancer. J'ai découvert les IRM, PET scan, le PAC. Plein de médicaments pour ne pas vomir. Le bonnet de water polo glacé pendant la chimio, c'est via ce message déchirant que Laurie Del Hostal annonçait publiquement son combat contre un cancer le 28 novembre 2022. Avec le soutien de son compagnon, l'ancien rugbyman Pierre Rabadan, l'ancienne présentatrice de Dimanche Soir Sport sur Canal+ tente de tenir le coup face à la dureté des traitements auxquels elle est sujette. Régulièrement, la férue de sport partage des photos de son quotidien, en tentant de garder malgré tout une pointe d'humour et de légèreté. Le mardi 21 février 2023, dans sa story Instagram, la native de la Drôme expliquait sa façon astucieuse pour tenter de se changer les idées durant les séances de chimiothérapie. Un anniversaire forcément particulier, j'ai une méthode désormais pour arriver à tenir dans la machine, je me force à répéter des listes pour occuper mon esprit. Aujourd'hui, c'était les 20 derniers entraîneurs du PSG. Dans le bon ordre 1, et les 20 derniers entraîneurs de Marseille, histoire de préparer le classique de dimanche, expliquait-elle, alors que se profile le dimanche 26 février 2023 le choc entre l'Olympique de Marseille, deuxième et le Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1, au stade Vélodrome. Le vendredi 24 février 2023, la journaliste, apparue notamment dans l'émission quotidienne L'équipe de Greg, sur la chaîne L'équipe, a de nouveau posté une photo des couloirs de l'hôpital sur son compte Instagram, alors qu'elle fête en ce jour ses 43 ans. Devant une porte menant au service d'oncologie, celle qui a décidé de se mettre en retrait de la télévision, a écrit « Bon anniversaire 1 ». Un jour forcément spécial pour Laurie Del Hostal.